Et re, encore une fois, c'est le Baron, cette fois-ci c'est encore une vidéo de Terraria. Et bienvenue dans J'étais sur le point de couper du bois. Voilà. Donc, dans le précédent épisode, j'étais parti pour couper du bois. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, couper du bois. Il n'y aura pas que ça, bien sûr. Et bien sûr, j'ai encore oublié de lancer le chrono. Voilà. Et le chrono vient de se lancer, c'est super amusant. Et c'est normal si je n'ai pas écouté de commentaires ou quoi que ce soit par rapport à cette vidéo, car cette vidéo, je la tourne à la suite de l'épisode 4. Donc celle-là, c'est l'épisode 5. Allons. Oh, un slime rose, c'est un boss, théoriquement. Enfin, théoriquement, c'est un boss. Après, ça dépend comment on le voit. Ouais, Pinky, il s'appelle. Pinky, ça énerve. Ça énerve beaucoup même. Non, je vais pas me faire camper par un slime non plus. Et ça, approche-toi, Pinky, approche-toi, 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 approche-toi. Ça sert à rien, Pinky. Pinky, ça sert absolument à rien. Tu vas juste décéder. Et ça, approche, approche. Laisse-toi maîtriser par le plus fort. Allez. 1000 ans, ça va mettre. 1000 ans. Et en plus de ça va se poser les pieds sur ma plateforme. Tu viens. C'est une forme pas très plate, donc je me demande pourquoi on appelle ça une plateforme. Peu importe, peu importe, peu importe. Dans tous les cas, Pinky, tu vas mourir. Donc voilà, épisode 5, fight contre un slime rose. Allez. Ah, il y a son ami le vert qui arrive. Ouais. Et voilà, Pinky est mort aujourd'hui. C'est dommage, c'est vraiment vraiment dommage. Enfin bref, maintenant qu'il est mort, on est enfin tranquille. Plus de cobble, plus de cobble, plus de cobble. Ah oui, c'est vrai que j'avais le bonus de minage. Eh ben, c'est pas le petit bonus, hein. Allez, on mine, on mine, on mine, on mine, on mine, on mine toute la roche. On va dire que c'est suffisant. Allez. Et on va se faire un four. Et pourquoi je tourne à 9 FPS? Bon, c'est toujours jouable, mais 9 FPS, c'est rien par rapport au fait que quand je tourne pas, je suis à 60. Allons, allons. Allons. Je vais faire mon four. Hop. Le four, le four. Allez, le four. Ouais, on peut faire du stuff en bois. Ah, non. Un arc en bois. Un four. Voilà le four. On le pose là. Et on va faire fondre nos minéraux. Minéraux, ici ça. Et 6. Et bim, 6 minéraux. C'est suffisant pour crafter. Pour crafter. Sans venir. Pour crafter, non. Bon. Une scie à bois. Parlant de scie à bois, en parlant de scie à bois, est-ce que je peux faire les trucs qui vont avec? Non. Ben, je vais poser de la scie à bois ici. Attention à l'animation. Ça tourne. C'est là que tellement qu'on voit pas trop que ça tourne, mais... Non, non, descendez, descendez. Ce que je cherche est en bas. Non, j'ai fait un mur de terre. C'est pas un truc qui bouge le coffre pour rien. Commode, non.
Et voilà, ça a rajouté de nouvelles choses, la scie à bois. Ah, je peux faire les mannequins, je peux faire, voilà. Des porte-armures, des tonnelets. Métier à tisser, on en a besoin. L'excuse. Non, je trempais de trucs. Peu importe. C'est le métier à tisser qu'on avait besoin. Bon, ça va faire joli, on va dire. Le tonneau, on en a besoin aussi, parce que ça fait des crafts. Ça fait des crafts aussi. Oui, vous avez tout compris. En fait, tout était déjà prêt avant même que le... Voilà, c'est avant même que la construction soit terminée, on a déjà le truc qui fonctionnait correctement. Tonneau pourri, il faut que je le mette là. Hop. Le yarn, je le mets là. Et... on remonte pour pouvoir mettre autre chose. Donc ce qu'ils ont, c'est quoi ça? C'est les tables... c'est quelque chose qui peut remplacer la table qui est là. Mais on... voilà. C'est juste à but décoratif. Ah, ça c'est cool. Par contre, ça c'est mur de planche comme ça, c'est très beau. Malheureusement, voilà, ici, je pense pas que je vais l'utiliser non plus. Allez, tu montes. Et y a rien, d'accord. Tout ce temps perdu pour rien. Blacksmith rack, je le mets là. Bon, ça va être la fin de cette vidéo. Enfin, non, je dirais plutôt ellipse. A plus. Et re tout le monde, donc nous voici donc dans Terraria, désolé pour cette petite ellipse. Et on a Harold qui nous a rejoint, si vous avez vu le message d'avant l'ellipse. Harold est le commerçant, donc un villageois qui permet de commercer avec nous. Par exemple, admettons que cette lance, je la trouve pourrie, j'en veux pas. Je peux la virer. Admettons que cette épée en cuir qui court et qui sert à rien, je la veux pas. Je vends. Manille, je vends. Shuriken, ça sert vraiment à rien, je vends. Bâtonnet lumineux, je vends. Qu'est-ce que je peux revendre encore? Plaque de pression, je vends. Piège à fléchette, je vends. Voilà. Et ça me rapporte de l'argent de lui vendre. Après, je peux lui acheter des trucs, comme le casque que je vais essayer d'acheter très rapidement. La tirelire que je vais acheter tout de suite, parce que je trouve ça mignon. Oui. Et je vais la mettre où, la tirelire? Alors, vu qu'il habite juste là au-dessus, le Harold, je vais lui mettre chez lui, le tirelire. Donc, la tirelire, pour ceux qui se demandent à quoi ça sert, c'est très mignon, ça fait joli. Et c'est un coffre qui permet de stocker de l'argent. Comme je vais vous le montrer, hop, tout de suite. Voilà. C'est le coffre spécial argent. Bon, c'est pour les gens qui sont super riches, qui savent plus quoi faire de leur vie. Toi, je te mets ça pour que ça fasse joli chez toi. Toi, le slime, tu meurs. Voilà. Au moins, ça le mérite d'être clair de ce que je veux de toi. Hop. Puis on plante les arbres. Arbres qu'on replantera à chaque fois qu'on coupera du bois, mais à un intervalle assez régulier, mais par une occasion pas très proche. Parce que plus les arbres sont proches entre eux, moins ils poussent. Voilà, donc on va couper cet arbre. Là je le sens venir, là le coup du Harold qui va se suicider sans le faire exprès. Donc... alors... combien j'ai de bois? 79. On verra ça dès que j'aurai fini de couper les arbres. Parce que le bois, il en faudra beaucoup. Et je dis que 79 ne sera jamais suffisant. Ça sera en aucun cas suffisant. Je sais même plus ce que j'étais en train de faire juste avant juste avant l'AFK. Donc je suis allé couper du bois histoire de dire que je savais. Mais en fait, je ne me rappelle plus ce que je voulais faire. Alors... il va bientôt faire nuit. Donc comme il va bientôt faire nuit... je serai dans l'obligation de continuer la construction. Et de planter un arbre avant de continuer la construction. Cet épisode par contre ne durera pas aussi longtemps que le 4, il durera un petit peu moins longtemps. Parce que je suis un humain non plus, je suis pas une machine, je fais pas 10 000 vidéos à la seconde avec une super machine, j'ai une mauvaise connexion, je... voilà. C'est une mauvaise connexion. C'est vite dit ça aussi. Alors... La nuit. Toi, t'es complètement bloqué. Hop, est-ce que tu peux passer? C'est bon.
Ah, le Harold, le Harold. Le Harold, alors. On va commencer par faire quelques petites basiqueries. Basiqueries qui est quelque chose de basique avec voilà, avec une façon de parler de très bonne qualité. Voilà, c'est. J'ai jamais aussi bien parlé toute ma vie. Hop, ça c'est important. Chaise, c'est important. Ça, c'est important. Et ce qui sera encore plus important, ça sera le bois. Les murs en bois que je vais crafter tout de suite. C'est vraiment long à crafter. Je pense que j'en ai assez. Non, pas du tout. Je pense vraiment que j'en ai pas assez. Alors, il fait toujours jour, il fait toujours jour, mais je commence quand même la construction en prévoyant la nuit, on va dire. Donc ici, ce sera pour le PNJ qui était censé venir avec le cœur cristallin. Donc le commerçant, il vient avec du pognon. Le PNJ qui vient avec le cœur cristallin, c'est l'infirmière. Donc l'infirmière qui, elle, en échange d'un peu d'argent, nous heal. Donc voilà, c'est sympa ça, hein, on perd du fric, on gagne des points de vie. Alors que je peux très bien me crafter des potions quand j'ai des champignons que j'ai ramassés tout à l'heure. Et Molly est arrivé, Molly qui est justement la... Ben justement ce que je viens de dire, c'est l'infirmière. Parce que Molly ça a l'air d'être un nom de femme, et l'infirmière est forcément ben, une femme. Voilà. Travail de pro. Qu'est-ce que je pourrais bien faire comme décoration pour l'infirmière? Bon, après il y aura le démolitionniste, le vendeur d'encre. Donc je vais pas non plus faire une décoration différente à chaque personne qui va venir. Le démolitionniste qui sera mon préféré parce que c'est le seul à pouvoir avoir le... Bon, par contre il y a un bug de PNJ que je vais tout de suite régler. Donc je vais m'écarter de la maison 10 secondes. Enfin, je vais m'écarter de la maison de façon à ce que, voilà, ils se téléportent à l'intérieur de leur cabine respective et... Dès que j'aurai fini mes constructions, nous ne ressortirons jamais de ces cabines. C'est parfait. Et bah ben oui, c'est ça, j'avais pas fait assez de murets en bois. Soi-disant la gourmandise est un mauvais défaut que je n'ai pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Poutre en bois. Mur de planche comme ça, c'est très beau, donc je vais en faire quelques-unes. Mais je vais les faire, enfin voilà, j'ai dit que je vais les faire, mais je vais les poser dans cette pièce-là à côté. Oups. C'est dans cette pièce-là que je vais les poser. Parce que ça fait très beau, mais c'est plus une base qu'un mur, moi, je trouve. Ça rend bien, c'est RP, c'est magnifique. Voilà, sauf que ça rend pas très bien dans certaines constructions. Donc là, je pense que ça va bien rendre là où je vais mettre. Attention. Ah oui, j'en ai quand même fait beaucoup, en fait. Voilà, c'est des espèces de trucs rayurés comme ça. Parfait. Bon, ben alors, dans ce cas-là, je vais faire toute la base de la maison avec. Alors, j'étais à cette hauteur-là. Ah non, j'en ai mis un dehors sans le faire exprès. Alors, je vais le récupérer. Non, je me suis trompé, là, c'est le mur en bois. Alors, c'est là que ça commence à devenir par contre délicat. Il faut savoir tailler un mur correctement. Ça va être très long. Je pense que je le ferai hors caméra plus tard. Oui, c'est ça, je le ferai hors caméra plus tard. Ça va vous faire plaisir, ça vous évitera de devoir me voir... Le tailler du mur à longueur de journée. Voilà. Et ça sera parfait pour tout le monde. Et je vous dis donc à la prochaine fois, parce que oui, nous touchons déjà à la fin de la vidéo. Et la prochaine fois, qu'est-ce que nous allons faire? Ben, on va terminer cette maison, et très rapidement d'ailleurs. Ciao, ciao!